grand match. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Je suis donc dans la cabine de commentateur, accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca. Première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Et voici la composition de l'équipe américaine. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Allez, voici la composition des Philippines. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique. Mais c'est indémodable dans le football. C'est le coup d'envoi dans ce match de poule de Coupe du Monde. Pourquoi pas une occasion à venir là, ça part bien, attention il y a danger. Oh la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Ouais, bien concentré la gardienne, le danger est éloigné. Allez, bien frappé ce corner. Le but sauvé in extremis sur cette intervention. Le ballon circule en attaque. Le drapeau se lève pour une position illicite. C'est hors jeu. Oran. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Ça démarre fort avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est manqué, ça promet vraiment. C'est un ballon qui est récupéré. Ah oui, l'excellent ballon. Oui, la parade. En deux temps. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ah, le contre est possible. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Anis. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, le ballon sort. L'arbitre indique le poteau de corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté.
Elle déclenche le centre. Et c'est sans problème pour Neuer. Et voilà un ballon qui est intercepté. Ah, il y a un manque de compréhension, hors-jeu signalé. Et la bonne intervention pour récupérer. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Bien placé pour conclure peut-être. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, le bon réflexe là. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, il s'est bien défendu. Le centre est repoussé. Ah, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Alex Morgan. Sophia Smith. Va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Ah, bien joué dans la profondeur. Magnifique ce contre. Et ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Et le ballon passe loin sur cette tête. Lavelle. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Excellente couverture de balle. Une grosse opportunité, attention. Et la super parade est super, mais inutile. Coup de sifflet pour un hors-jeu. Et le ballon rendu à l'adversaire. C'est bien joué, elle est en bonne position. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. Regardez, si nous passons à la limite, le coup d'œil comme le geste, tout ça c'est une beauté. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Rodman. Ouais, la bonne intervention, touche. Avec un peu d'espace maintenant. Ah non, finalement le ballon est perdu. Le ballon en touche. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster.
Le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Bolden. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Les voilà dépossédés du ballon. Et la passe en profondeur, en puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. De la belle. Oh là là, mais quel tir! C'est au-dessus du cadre. Passe manquée. Lindsay Horan a bien placé pour une frappe peut-être. Tout portant, une sacrée parade de la gardienne. Ce sont les réflexes qui ont parlé à cette distance. Le corner bien tiré. Ah, pas évidente l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Sullivan. Allez, bien donné en profondeur. Pas de souci pour prendre le ballon. Ouais, bonne récupération du ballon. Ah, bien joué dans la profondeur. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, la défense peine à redescendre sur ce contre. Bolden. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Ouais, le bon ballon. Et non, le geste est raté et le ballon passe assez largement au-delà du poteau. Geste pas maîtrisé, ça sort largement. Et un changement donc. Dans la profondeur. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Un peu de coaching avec ce changement. Cornea. C'est
tirer sur la barre, c'est pas fini. À la menace planait, mais le danger est détourné. Et une occasion de contre à négocier. Le ballon est venu embrasser le montant, mais il est reparti. L'égalisation, ce n'est pas pour tout de suite. Lavelle. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus, à cette distance, c'est grandiose. Eh, bien donné ce ballon. Eh oui, le bon réflexe. Et voilà, le changement s'effectue. Le corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Ah, ça joue à pas grand-chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Alex Morgan. Megan Rapinoe. Le duel pour récupérer la balle. Le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Allez, il faut la tenter. Excellente intervention. Alex Morgan. Voilà, c'est plutôt bien. Attention, voilà un bon duel. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Harrison. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Oui, c'est bien fait. Ouais, la parade. Le corner. Le ballon est perdu par les Américaines. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. C'est terminé, on en reste là dans ce match de Coupe du Monde et c'est donc une défaite pour cette équipe. Et oui, c'est dur pour elle. On a vu quelques étincelles, c'est vrai, mais ça n'a pas suffi pour combler cet écart de 2 buts. L'équipe a manqué des lumières au milieu des terrains.